Dis-moi, ça t'ennuie pas de commencer au cinéma dans le rôle d'un fils à papa? Non, parce que d'abord, c'est pas un fils à papa. C'est-à-dire, un fils à papa, tel qu'on l'entend, c'est quelqu'un qui hérite d'une fortune et qui a juste à se mettre dans les chaussons de son père et puis à gérer ou à faire gérer par des sous-officiers la fortune qui existe déjà, qui a déjà été amassée. Là, Charles Corti, c'est un personnage qui existe en soi. Je ne dois pas être le premier à te le demander, mais ça veut dire quoi, petit manteau? Pentimento. Pentimento, ça veut dire, c'est un terme de peinture qui désigne le moment, voilà, quand un peintre commence une toile et qu'il fait son premier crayonné, il commence à peindre et puis en cours de route, il change d'avis sur le mouvement de son personnage. Donc il rectifie le mouvement, il fait un deuxième crayonné, il repeint par-dessus. Quelques temps plus tard, des siècles plus tard, la peinture laisse apparaître la première ébauche. Ce moment-là, ça s'appelle le pentimento, ça s'appelle aussi le repentir du peintre. C'est un très beau mot, très belle expression. Il y a beaucoup plus de repentir en peinture qu'en télévision, si tu veux. Tu te trouves comment dans le film? À chier. Lamentable. C'est effroyable, moi. Je suis allé à la projection, encore j'avais choisi une projection où toute l'équipe du film était là. J'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre de terreur de me voir. C'est pas possible de se regarder. Je crois qu'en plus, c'est tout le paradoxe du métier de comédien. C'est-à-dire, il y a un plaisir fou à tourner, mais il n'y a pas de plaisir à se voir. Je connais pas de comédien quoi, qui disent « Moi, une projection, je prends un panard à me regarder, c'est bien. » Que tu vois la totalité du film, que tu arrives à faire abstraction de toi peut-être, mais il faut un peu de temps pour ça, je suis un peu jeune. Et ta fille, elle commence quand la télé, elle hein? Elle a commencé un petit peu l'année dernière, elle travaillait sur Canal J. Un truc pour les mômes, elle faisait des petits reportages et elle aimait ça, mais ça nous prenait du temps. Et c'est un âge tellement important, comme ça, entre 13 et 18 ans, c'est là que t'emmagasines tout, tout ton fond de sauce, tout ce qui va te servir toute ta vie, c'est à ce moment-là, tu vois. Et j'ai vraiment pas envie que ça devienne une petite bimbo idiote.